Asian Coffee News. Éditorial, Yves Lafortune. Toute nouvelle, tout côté, Pierre-Renel René. A tout causé sous immigration. Et puis, tac-toc, tac-tac, tac-o-tac, avec Lydia Alexandre, tec-tec-edec. Chaque matin, sauti 8h pour arriver 10h, lundi pour arriver jeudi, Asian Coffee News, sous Guy Wewe Radio. Sponsor, what you gonna do? T'es dormi hier soir, comment lever matin, hein, gen moun qui déjà arrivé dans travail yo, gen l'autre qui à peine prend route en direction travail yo. Ça c'est pour communauté côté nouyé aux États-Unis, hein, en Haïti nous connaît situation pas bon passer ça. Moun yo encore été la caillou puisque pas gen travail, pas gen activité. Ça c'est pour Port-au-Prince. Dans ville provinciale, gagnent l'école qui quand même a pas fonctionné. Donc quel que soit côté nouyé, café assez pour capable participer la donne, rapprocher si au plus loin, vini, rejoignez-nous pour capable prendre premier passeport là, premier arrivé, premier servi. Bienvenue dans Café à Matin. Nous c'est chaîne Coffee News, le journal de la diaspora, en compagnie de Yves Agui pour manœuvre technique. Yo. Nous partis pour une nouvelle aventure. Hey. Bonjour Guy, bonjour Yves. Bonjour Guy Ruben Guerrier, bonjour Pierre-Renel René, bonjour à tous les auditeurs, auditrices et internautes de Haitian Coffee News. Haitian Coffee News avec Pierre-Renel René. Haitian Coffee News sous Guy Wewe Radio. Sous Guy Wewe Radio, nous invitons à rejoindre nous pour partager ça autour d'un tasse café, côté n'a pas informé, côté n'a pas distrait, n'a pas communiqué avec ou autrement. C'est toujours, et avec la prière, n'a pas servi premier tasse café journée sous bénédiction pasteur Ernst Ness Jean. Tabernak Off-Light International na Miami, ça cap mené une tête droite dans réflexion journée avec Yves Lafortune, l'éditorial à côté d'après retourner sous personnalité Toussaint l'ouverture dans résilience li face à résilience nos besoins journée jeudi. Façon pour nous senti café à matin, on a retourné dans Port-au-Prince. Image choquant et même révoltant pour parler jeudi à de capitale pays en Port-au-Prince assiégé, ville en flamme côté pillage. Yo après poursuivre pour la plus belle bandit, yo c'est seul met à bord, yo mettait du feu dans service circulation, yo pillé l'église, yo saccagé bibliothèque, combat yo entre la police ak bandit yo qui jurait pour prendre contrôle palais national la intensifié chaque jour. Et c'est justement dans bien ça n'a rejoint tout à l'heure Bruno Pierre accompagné de Jeff Jefferson pour Port-au-Prince en direct. Et dernier jour, ça y est, la police pas manqué point dans bataille contre gang. Plusieurs bandits tombés dans échange coup de zame. Avec la police, porte-parole, Sinapora, Lionel Lazare, mandé plus moyens pour institution. On a bien pour nous recevoir le matin dans café. Et puis politique avec Andy Franz Fidel depuis Boston a retourné sous nomination au conseil présidentiel là qui toujours dans impasse. Conseil ministériel de réunir encore jeudi après réunion hier qui pas permettre de trancher ce dossier. Pendant temps ça, situation à ville plus critique. Journaliste pas quoi pourtant conseil la cabaye résultat. Il attend de lien comparé à l'histoire transition politique yo en Haïti. Et sous même dossier ça, on a recevoir ce matin Jean-René Alexandre, membre compromis historique qui gagne représentant yo dans conseil présidentiel là. Et puis Yves, dans communauté nou yo face à c'est Canada, yon grande première dans Canada avec création yon société logement dans communauté noire yo, communauté ça qui victime en pile discrimination dans question chercher caille, yon gros pas pour communauté à grâce à projet ça qui coûtait 120 millions de dollars. Détail avec correspondant nous depuis Canada,
Guillaume Amboise. Économique, donc à jeune Thomas, autour de la dernière intervention qu'elle fait, donc en suspens. Un bon café, j'espère que Guillaume mette beurre dans le pain. Nous prenons café à deux, mais bon, ici. Haitian Coffee News avec Pierre-Renel René. Haitian Coffee News sous Guy Wewe Radio. Il est toujours bon pour nous commencer la journée avec la prière. C'est peut-être ça, dans Haitian Coffee News, c'est avec la prière nous dit bonjour. Bienvenue à la prière du matin. Haitian Coffee News, sous Guy Wewe Radio. Il est toujours bon pour nous commencer la journée avec la prière. C'est peut-être ça, dans Haitian Coffee News, c'est avec la prière nous dit bonjour. Bienvenue à la prière du matin. Haitian Coffee News, sous Guy Wewe Radio. Choublak, ou qu'on aime comme fleur, je dis à son restaurant. Choublak Restaurant, table île, dans 2768 University Drive, Sunrise, Fort Lauderdale. Quand il reste au restaurant, c'est qu'il est avec sa choute à Choublak. Mangez au... Mangez au bon, c'est coupé douette. Quand tu manges à Choublak, tu es en Haïti sans te déplacer de la Floride. Commandez, Réléo, 954-53-30-49. Asiatique, grand blanc, grand black, tout le monde mange à Choublak. Merci parce que t'attends des messages ça. Mais le film manger dans Choublak Restaurant, c'est au Cap Dim. Merci. Un moment pour nous prier, prier là, c'est avec pasteur Jean-Ernest, on a rejoint depuis l'église Miami. Hein. Bonjour, pasteur. Bonjour, Pierre Rudel. Bonjour, tout le monde. Bonjour, toute équipe là. C'est un grand plaisir pour nous capables de rejoindre le monde, spécialement le peuple haïtien, pour nous unir, voir nous ensemble, pour nous unir. D'un seul esprit, d'une seule âme pour nous présenter devant le Dieu Tout-Puissant pour Haïti et pour le monde. Je demande où, quel que soit côté où il est, quelle que soit dénomination, unis voix ensemble avec nous pour nous présenter devant le trône de la grâce. Seigneur. Monde qui cherche protection, bon côté bon Dieu, qui en haut dans le ciel. Moun qui rete caché en basel bon Dieu qui gen tout pouvoir. Kadi CR, c'est ou qui tout défense nous. C'est ou qui tout protection nous. C'est ou qui bon Dieu nous. C'est nan ou nous mette toute confiance nous. C'est ou même qui pap quitter nous prendre en pèlerin. C'est ou même qui pap quitter maladie qui pou touye nous tomber sous nous. C'est ou même qui couvri nous en basel ou. C'est ou même qui dit nous, rien pas privé nous, parce que côté ou caché nous en sécurité. Seigneur, nous connaît que ou a toujours kembe parole, parce que ou c'est bon Dieu qui gagne tout pouvoir, ou c'est bon Dieu qui saint, ou c'est bon Dieu qui juste, ou c'est bon Dieu éternel. Ou dit nous, a besoin pe bagay ka fè moun pe nan la nuit. Ou dit nous, que nous pas besoin casser pour malais qu'à priver grand la journée. Ou dit nous pas besoin de mauvais maladie qu'à tomber sur monde dans la nuit ni épidémie qu'à touyer monde dans gros midi. Ou dit nous même si 1000 monde t'a tombé bon côté gauche nous, on l'autre 10,000 t'a tombé bon côté droite nous pas besoin de rien avec Dieu nous seulement. N'ap gade yo, n'ap wè comment méchant yo ap joine.
ça et au mérité parce que c'est vous même CEA qui défense nous parce que c'est vous même bon Dieu qui en haut dans ciel là qui a protégé nous aucun mal est pas privé nous aucun méchant pas approcher bon la caille nous Seigneur équipe ça qui fait partie radio ça yo croit que il y a plusieurs autres dieux qui existent mais yo même à travers radio ça à travers émission ça yo dit c'est bon côté bon Dieu tout puissant bon Dieu qui c'est Dieu d'éternité en éternité hein? C'est bon côté li a caché et c'est dans lui même yo mettait tout espoir yo et c'est sous lui yo compté pour émission ça radio ça capable toujours porter le grand nom de la victoire yo pas voulu faire rien pour devenir gloire mais au fait yo voulu faire toute bagaille Seigneur Dieu ou même avant pour prendre gloire là-dedans c'est ça que fait Seigneur Dieu chaque matin yo fait de ou même prémisse journée ça et bénédiction pour monde qui met au devant bénédiction pour monde qui invité au dans sa yoye, dans sa yap fait. Et Seigneur, nous certains, Seigneur, toute préparation que yo même yo fait, Seigneur Dieu, wap rentre là dans, wap ajoute sa yo va mette. Et tout sa yo mette qui pa doué là, wap retire, wap pren kontrol nam yo, l'esprit yo, kor yo, wap pren kontrol bouche yo kap parle, Seigneur Dieu, yap toujours gagné de bons médicaments. Pour servir le peuple haïtien, pour servir le monde et pour servir peuple américain ça côté Guiwewe radio hein, lié Seigneur Dieu et nous bénissons pour deux jeunes garçons tankou yo qui gagne pile potentiel yo pas mettre potentiel yo pour craser le monde mais potentiel qui gagne en dedans yo veut servir nation yo avec lui au nom de Jésus-Christ moi déclarer que victoire là c'est pour yo c'est dans main yo et au nom de Jésus-Christ nous déclarer que émission ça Seigneur Dieu c'est pour comme li déjà c'est pour rester parmi plus gros émission qui pas gagne seulement dans États-Unis mais dans monde là radio ça Seigneur Dieu c'est pour le faire effet même si là qu'on bail vision qui pas quitter vision caché mais qui mettait gros ministère ça gros radio ça pour servir peuple là, peuple américain, pour servir peuple haïtien, Seigneur. C'est pour arriver dans un niveau même lui-même, il pas t'a espéré ça. Les moun pral parer pour yo faire éloge pour yo, mais y a levé deux mains en l'air, y a dit toute gloire c'est pour. Seigneur que tout monde que message ça, radio ça, onde radio ça arriver la caillou, Seigneur. Nous mando, c'est pour yo réceptif avec message qu'a vienne joindre yo. Pour yo pas quitter le passé dans yon oreille sorti dans l'autre mais pour yo prend tout ça qui bon pour yo servir avec yo non seulement yo même yo va avancer dans la vie pa yo mais li va servir Seigneur Dieu yon engrais ou nation haïtienne qui souffre Seigneur nation haïtienne nan, Seigneur Dieu non barré devant un gros lan mais seul monde qui ka intervenir pour yo c'est ou même Seigneur. Et qu'on y a même, nous mandons au Seigneur Dieu que tout ça, toute vie âme, toute vie parole, toute vie force qui campe contre nation haïtienne, c'est pour yon sans effet. C'est pour susciter des hommes comme Néhémie, c'est pour susciter des hommes comme Gédéon, Seigneur. C'est pour voyons David qui campe devant ou qui fait face avec Goliath, qui a théorisé peuple haïtien, Seigneur. Et les nous délivrer, nous pas prendre le bon louange, mais juste continuer bon louange parce que nous sommes peuple qui croit dans vous, Seigneur. Que nous bénis à travers émission ça, que nous bénis à travers radio ça. Et c'est pas pour yon kadi n'a fait bon travail, c'est pas pour yon kadi équipe ça fait bon travail, mais c'est pour la gloire, au bannière Jésus-Christ petit, ou capable flotter bien haut à travers vous-même. Que journée ça pour vous, que journée ça pour ta gloire. C'est prière que nous adressons avec nous, pas gain mérite, mais nous prions pas mérite Jésus-Christ petit tout. Les mêmes qui vivent pour tout un gain de temps et nation a dit avec moi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il est toujours bon pour nous commencer la journée avec la prière. C'est peut-être ça, dans Haitian Coffee News, c'est avec la prière nous dit bonjour. Bienvenue à la prière du matin.
Haitian Coffee News sous Kiwewe Radio. Bonjour et bienvenue sous fait que rejoignons de la prière à la réflexion. Nous prenons réfléchir autour de résilience personnelle. Ça, tout c'est l'ouverture semaine ça marquée 221e anniversaire. L'amol, comment résilience gros garçon ça capable d'inspirer nous dans la crise nouillée. Je dis à réponse à Yves Lafortune dans l'éditorial de la matin. L'éditorial de Haitian Coffee News avec Yves Lafortune. Bonjour tout le monde. Matin, c'est mercredi, il y a problème technique fait pas de parler avant, mais nous sortis dans le week-end passé à qui c'était commémoration Toussaint l'ouverture, Mal Saint-Domingue, dans le cadre d'une intervention sur la résilience de Toussaint. Le plus souvent, il y a parlé de résilience, c'est au senti que le monde qui a fait discours, a parlé de, en me renversant à Saint-Domingue, le tronc de l'arbre de la liberté, il repoussera par ses racines. Parce qu'elles sont profondes et nombreuses, mais Toussaint, etc. Toussaint, etc. Toussaint, le premier des hommes, le premier des Noirs, Toussaint. Maintenant, si on a parlé de résilience, je vous dis, hein, si nous voulons entrer dans le modèle, est-ce que nous obligeons de retourner en 1803, bataille de Vertières, ou bien peu avant bataille Vertières, côté Toussaint, d'essayer d'entrer dans l'armée anglaise, l'armée espagnole, et d'essayer de mettre des stratégies pour le arriver avec indépendance, non? Mais on résilient jodien qui ça le cahier. On résilient jodien en pour Haïti presque nu janvier là et puis on dit tête nous son modèle de résilience nous voulait faire un bagaille. Les participer dans poésie ou aimer philoctète m'a toujours dit la terre n'a jamais dit qu'elle n'a plus la force de pousser ses bourgeons jumeaux fleurs fruits et nourriture. Qui ça qu'empêcher nous capter rivière massacre Marion Grande Rivière du Nord, Pilate, fleuve l'Artibonite, la Quinte, la Rivière Grise, Passerenne, Petite Rivière de l'Artibonite, toute rivière ça, au lieu de quitter les rivières tombées, la Romance et la Rouillonne pour le craser, route Léogan, pour nous virer sous Rivière de Cavaillon, Somaturine, Maznod, Rivière Glace, pour nous chavirer tomber, Jérémie, c'est nous capter toutes. N'a pas capable dans moins de 6 mois bah toute population manger on t'a dit ça on pluriculture maïs pois pitimi du riz et le ça déjà n'a pas capable résoudre puis fort inflation gain parce que n'a pas capable tête nous manger pas oublier que Israël gain seulement le Jourdain il tout non puissance agricole donc pour nous faire résilience et sur les modèles sur les traces de Toussaint l'ouverture en faire en sorte que nous capables bail population nous manger et là ça fiction que les blancs n'a privé sur lui après mais pas oublier dans ça nous dit là pour nous bail peuple nous manger en 6 mois nous pas parler de l'autre bagaille que la production que terre capable ban nous et là ça au fur et à mesure n'a capable entrer dans autarcie bail peut-être nous manger et puis ensuite n'a capable travailler mettre des politiques publiques en place justement pour nous et mettre en œuvre politique publique ça pour nous changer la situation peuple là. Donc voilà une idée de la résilience de Toussaint l'ouverture, comment cette idée de résilience est capable utile nous aujourd'hui là qui c'est avril de 2024. Donc résilience Toussaint en sorti en 1802 en sorti en 1803 pour nous adapter forme de résilience ça, c'est le développement endogène. Donc réflexion matin, c'était sur cette résilience qui peut être aujourd'hui une résilience moderne en modernisant souvent notre idée pour nous capables avancer à PIA pour ne pas suspendre la risée de tout le monde. Merci tout le monde. L'éditorial de Haitian Coffee News avec Yves Lafortune. Haitian Coffee News sous Guy Wewe Radio. Que résilience ancêtre nous yo servi nous guide pour nous continuer chemin long nous là dans les nous pawé issue nous besoin retourner dans le passé nous besoin faire appel avec exploit ancêtre nous yo pour nous joindre chemin cap mener nous dans objectif yo même yo té visé pour nous leur té bay nous nation ça qui c'est premier république noire du monde premier république noire du monde premier capitale noire du monde, Port-au-Prince, c'est là nous praler pour nous rejoindre correspondant permanent nous
Bruno Pierre, pour nous avoir une idée d'abord de comment Port-au-Prince levé pour matin, à partir de ça, fait une idée de comment Haïti réveillé pour matin, et nous connaît déjà, c'est Port-au-Prince qui voyait signal, respect, le corps Port-au-Prince chaud, respect, y'a la fièvre. D'abord, Port-au-Prince avec Bruno Pierre, en attendant, nous joignons Jeff Stevenson pour Port-au-Prince en image. Bruno, est-ce que ou avec nous, comment Port-au-Prince réveillé pour matin? Bruno Pierre, bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, mercredi 10 avril, après 40 ans, gang armée sous capitale a fait des gros offensives. Eh bien, je dis à la population Port-au-Prince a tenté de redéfinir une vie normale. La ville se réveille aujourd'hui très tôt, à 5h30 du matin, mais tout le monde était obligé de tendre les premiers rayons du soleil pour pointer le nez, comme on dit. Le transport en commun a repris, toujours Canapé Vert, Pétionville, Lalu, Delma, Tabar. Tout le monde a vaqué à l'occupation, marché qui a ouvert, mais sur la route nationale numéro 1, au niveau de Clercine jusqu'à Lison, route aurait été bloquée, l'île à voie bloquée aussi. Il faut payer 500 gourdes pour une moto, pour traverser. Sinon, on va faire route à pied, on va marcher près de 3 km. Mais la ville entière, j'en connais déjà, et ses communes avoisinantes, bien sûr, y a vivent dans l'insécurité la plus totale. Et l'incertitude aussi, parce qu'à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, les foyers de tension peuvent se rallumer, puisque Port-au-Prince demeure une zone de guerre. Et la guerre, comme on connaît le PRR, la guerre est un caméléon. Elle peut épouser toutes les formes. Depuis, ça fait 30 ans déjà, la guerre était génocidaire au Rwanda. En avril 1994, il y a 30 ans de cela, cet avril qui s'est passé à la fête 30 ans sur tous les médias occidentaux. Mais la guerre peut être aussi terroriste, comme chez nous ici à Port-au-Prince. Par exemple, là, nous avons gagné des actes terroristes qui fait que nous trois institutions nouvelles, des institutions de référence en plus, hein, qui viennent s'ajouter à la liste des bâtiments historiques vandalisés, pillés ou incendiés. C'est le Collège Bird, c'est la première baptiste, la première église baptiste de Port-au-Prince, c'est J.B. Damien, c'est trois nouvelles institutions de référence à eux qui ajouté à la liste de grands bâtiments historiques que bandits ou bien terroristes vandalisés. Donc, jeudi 10 avril, ça fait exactement 40 jours depuis que bandits a mené en guerre lente, de basse intensité, mais une guerre tenace. Une guerre déterminée qui malheureusement touche les populations civiles, hein, qui toujours perd du Kaili, qui perd du job li, qui perd du business li, qui perd du scolarité petite li, et qui perd du même l'espoir que demain, dans les 24 heures à venir, la vie redeviendra vivable. Et c'est ainsi que Port-au-Prince se lève aujourd'hui. Oui, ça c'est en première présentation de Port-au-Prince. Port-au-Prince c'est Delma, Port-au-Prince c'est La Plaine, Port-au-Prince c'est Carrefour, donc c'est une douée prenne dans l'agglomération, zone métropolitaine. Non, yo apprenons nous, pendant Port-au-Prince, pas gagne l'école, l'activité au point mort. Carrefour, moun yo à l'école, yo est timoun kap soti l'école, kap pral l'école, yo est timoun en uniforme dans la rue. C'est exact. C'est une information que je vérifiais avant-hier, lundi. C'est près de la quasi-totalité de l'institution scolaire Carrefour qui a fonctionné. Lundi, Carrefour, nous partons de Fontama 43, bien sûr, mais arriver au niveau de Mariani, ce n'est pas possible parce que Mariani, c'est un petit peu après Christophe Chanel, c'est un petit peu après l'autre bord de l'eau. Donc, Carrefour, la ville, la commune de Carrefour, oui, fonctionne relativement bien. Bien entendu, à cause de l'état d'urgence et de couvre-feu qui est installé depuis maintenant, plus de mois, c'est pas évident que le soir, Carrefour pourrait gagner des activités riches d'ambiance. Mais l'école a fonctionné, effectivement, quand pile l'école qui l'ouvre pas tout Carrefour. Et refais-nous une photographie de Port-au-Prince, malheureusement, où on va gagner une caméra pour soutenir présentation sur le fait nous, exercice ça pour les gens qui pas dans le pays. Hein. Moi, ouais,
un grand rue qui défiguré moi on bat la ville jusqu'à bord et BRH si c'est pas de building BRH là moi pas ta reconnaître lui pour qui ça ville la salle comme ça. Bon, et effectivement, je te dis la dernière fois, c'est que et, dans Port-au-Prince actuellement là, chaque rue que monde te connaît, qui sous contrôle bandido, c'est des rues qui présentent une image de un pays ou bien de une capitale qui est en guerre, parce que au cas je viens, par exemple des lignes de voitures. Par exemple, qui brûle, qui incendie. Ou gagne, par exemple, en bas la ville, la rue pavée, ou gagne la grande rue, ou gagne rue des miracles, ou gagne rue Bonnefoi, ou gagne toute belle et en net. Et gagne de côté Pierre-Renel René, sous aller, je dis en là, ou bien si on a fait une petite vidéo, bah, ou, et que, ou son GPU, ou regardez vidéo ça ou bon type le cap saute dans yeux quand même parce que gon émotion cap trop fort et c'est exactement ce qui arrive. C'est tellement gagné des maisons que qui prend qui incendié, tellement gagné des voitures qui calciné, qui brûlé, qui incendié, tellement gagné fatra, tu vois dans Rio, tellement gagné côté gagné zèbre qui a poussé. Donc c'est toute bail ça qui défigurer ville là, c'est toute bail ça qui déchiqueter image propre, image on t'a dit calme, image tendre que on te gagne de on oui et encore une fois parce qu'il faut pas oublier que le petit monsieur a boumé le petit monsieur ça a fait là côté que il a vandalisé toute institution toute toute rue, c'est effectivement une espèce de démémorisation, il a fait nous perdre mémoire parce que l'horrible ils vont côté l'enfant enfant son adolescent son côté à chaque mieux on raconte une histoire donc mieux ça yo boulé yo crasé et c'est ça la ville de Port-au-Prince, c'est ça quartier qui gagne barricadio qui gagne caoutchouc taboule là-dedans, qui gagne toute trace de du feu, oh, c'est ça, il y a où comme image, son ville côté que pifo ou yo, côté surtout gagne et conflit armé, oh, c'est des rues déchitées, c'est des rues calcinées, c'est des rues avec des décombres, des débris. Et c'est vrai que pas des buildings qui tombaient, mais le regardez on s'est de local de on s'est de impasse côté qu'on on s'est de ruelle côté qu'on a chaque gros trou là dedans tout ça yo, c'est parce que bandio yo gagne une technique de chenille puis yo traverser maison de maison en maison puis elle sortit tête yo l'autre côté non l'autre rue donc ça ne fait que effectivement c'est ça une image une photo de la ville de Port-au-Prince qu'on a connue dans le temps, c'est cette photo-là qui nous ramène des images d'une ville désormais totalement dégradée, une ville totalement déchiquetée. Merci Bruno Pierre, et très belle présentation sur Port-au-Prince, capitale pays. Port-au-Prince qui affichait même image, sinon terrifiant, choquant par rapport à l'image peut-être nous Tapouéa. Un mois, donc de plus en plus, ville-là a vint impossible pour vivre, et c'est ça qui est expliqué. En pile monde continue à quitter pour retourner en province, en l'autre réalité, n'a bien pour aborder dans le journal La Moun Sayo, qui a retourné dans la province, qui a été abandonné, côté pas de bien aucune politique publique pour répéter un thème qui est cher à Yves, pour te permettre. D'abord, moun yo rete et comment moun sa yo kap retourne pral kapab réintégré yo, retourne vivre dans communauté yo te abandonné et nan pile ka gen ki pa jam retourne yo te retourne peut-être le de occasion rare tant kou enterrement, mariage ou bien fête de fin d'année. On l'autre réalité pour nous garder avec de villes qui censé pas de parer pour recevoir moun kap retourne yo comment la vie en yé. Dans zone sa yo, yo apprend nou vie extrêmement cher dans une ville tant kou au caille pas gagné caille vraiment hein toute caille yo vin cher puisque gagne une pression sous logement pas gagné façon pour monde ou jeune on caille pour habiter en caille décent par rapport avec prix caille qui est vraiment élevé dans ville provinciaux donc n'a va aborder point ça dans une autre édition Echen Coffee News. HM Coffee News, n'a fait la viron, fait viron tout côté qui gagne haïtien sur la terre.
Haïti, Bruno Pierre, Daniel Darius et puis yon Dick Dal correspondant dans toute province. New York, Eden Zdeba, Jean-Baptiste Romarin, Jean-Claude Junior Vaval, Philadelphia, Jean-Venel Casseus, Philippe Moussignac, West Palm Beach, Maryse Balthazar, Orlando, Jean-Junior Lafortune, Derby du jour, Indiana, Marie-Ludie Montfort, Jacques Adler, Jean-Baptiste, dit Gongon, Postpadichon, Boston, Jean-Samuel Trizil, Canada, Jean-Wesley Delva, Guillaume Amboise, France, Panel Lindor, Asian Coffee News, n'a fait l'aviron, d'aider tout côté qui est haïtien sous la terre. Donc, un correspondant pour bonne nouvelle. Choublak, ou qu'on aime comme fleur, je dis à son restaurant. Choublak Restaurant, table Lille, dans 2768 University Drive, Sunrise, Fort Lauderdale. Quand il reste au restaurant, c'est qu'il est avec sa choute à Choublak. Mangez au. Mangez au bon, c'est coupé, douette. Quand tu manges à Choublak, tu es en Haïti sans te déplacer de la Floride. Commandez, Réléo, 954-53-30-49. Asiatique, grand blanc, grand black, tout le monde mange à Choublak. Merci parce que t'as tant de messages ça. Mais l'offre de manger dans Choublak Restaurant, c'est au Cap Dim. Merci. Haitian Coffee News avec Pierre-Renel René. Haitian Coffee News, sous Guy Wewe, Radio. Retourner tout à l'heure, un petit rappel de ça nous fait tous déjà. Nous avons prié, nous avons fait regarder qui la situation avec Bruno et pendant que nous avons cherché Jeff, nous avons avancé dans le café. Nous avons appris que nous avons pour nous parler avec le porte-parole de la police, nous avons pour nous aller parler avec le docteur Picard Biron sur la situation de la crise haïtienne en tant que des intellectuels t'es réunis pour le fait état des lieux de situation. Donc, c'est autant de choses que nous avons abordé entre temps que Pierre-Renel a entré dans la manœuvre technique tout le matin avec Guy. Donc, c'est printemps et café a déjà paré. Café a coulé, tout le monde a pris un paio. Donc, ce soir, dans un instant, avec après que nous finissons les résoudre de questions de manœuvre technique. Donc, c'est tout à l'heure et puis voilà. Pierre-Renel est à Paris. Oui, on a fait dernier arrangement pour aller encore à Port-au-Prince, pour retourner à Port-au-Prince, pour aller parler avec porte-parole Sinapoa Lionel Lazare, qui encore a demandé moyens pour la police, étant donné que la police qui était très décrié dernier temps ça yo montrer capacité que li gagner si gagner volonté si gagner moyen pour yo travail et yo prouver le dernier jour ça yo avec façon que yo camper pour protéger espace champ de masse là et comment yo camper pour protéger bâtiment yo au niveau de plein nord, nous voulons parler de local Bimna, donc bandio qui pas joué un terrain facile dans niveau ça, donc la police qui marquait en pile point dernier jour ça yo. Donc sous base ça, Lionel Lazare pensait faut gagner plus moyens pour permettre que police là est capable plus efficace. Donc Lionel Lazare, est-ce que Lila non? Non, pas gagné avec nous, porte-parole là. Donc, n'a pas continué là pour nous capables de rejoindre l'autre intervenant pour nous gagner en compréhension plus claire de situation, hein, ça qui a passé actuellement là en Haïti. N'a pas Haitian Coffee News, dorénavant, c'est avec une tasse café bien chaud, nous prenons l'informer. Haitian Coffee News sous Guy Wewe Radio pour tout ça qui a passé en Haïti à tout côté qui vient haïtien sous la terre. Haitian Coffee News, éditorial Yves Lafortune, toute nouvelle, tout côté Pierre-Renel René à toute causée sous immigration. Et puis tac toc, tac tac, tac ou tac avec Lydia Alexandre, tec tec et tec. Chaque matin, sauti 8h pour arriver 10h, lundi pour arriver jeudi, Haitian Coffee News sous Guy Wewe Radio. Sponsor, what you gonna do?
Donc, caprice technique-là fait que nous prenons plus de temps pour nous retourner pour le prince pour nous parler avec porte-parole Sinapoa, syndicat police nationale, concernant effort, syndicat estimé, situation a fait, dernier jour, ça y est, dans le genre, la résister face à assaut bandio et c'est seule institution, l'État, qui est censé rester là, cap frappé, nous a dit. Donc, porte-parole là, quoi, s'il y a plus moyen, la police, cabaye, puis bon travail. Lionel Lazare, bonjour, ou avec nous, matin, pour plaidoyer ça, ou continuer à faire pour institution, hein, la police qui était très décriée, dernier jour, mais à la faveur de un petit effort, la police a recommencé, joindre sympathie, moun nan population, et ou même ou dit, faut gagner plus moyen pour la police à continuer bay résultat. Bonjour. Bonjour Pierre Renel, bonjour Monsieur Yves Lafortune, bonjour Guy Wewe, salut en pile, son monde que m'suive longtemps et m'toujours m'suive les taux. Et m'salue des milliers d'auditeurs qui sont à côté de nous, m'salue tout policier qui m'suive nous, qui attendent nous. Et non pas c'est Lionel Lazare, moi c'est un policier, moi c'est coordonnateur général Sinapoa, un syndicat qui gagne dans la police nationale d'Haïti. Eh bien, n'a continué travail pour nous garder comment que nous capables bon l'autre la police et son plaisir pour moi ensemble avec nous matin. Donc c'est quand même un travail très difficile à tantio yo aller au-delà de ça la police là lui-même li capable bail mais la police là pas joué un minimum là et à chaque fois gagner on effort qui fait la police là montrer que li capable faire mieux. Donc ou même ou quoi qui ça qui expliquait que la police là marqué pas sous place en dépit de petit effort qui fait que nous observer dernier jour ça yo. Bon, moi, nous pensons que au niveau Sinapoa, nous toujours fait remarque ça, nous toujours fait constat ça. C'est que nous avons la police qui prend le gain là, dans le mois de juin là, 29 ans. Sont la police, nous croyons que qui est capable de travailler, sont la police qui ne pas que jeunes garçons, jeunes femmes qui la donne, qui eux même sont capables de travailler. Mais souvent nous allons plus loin tout pour nous dire que bon problème de volonté qui pas gagné pour résoudre de problèmes insécurité à qui gagne là en dans pays d'Haïti. Nous connaissons que gagne des bagages qu'a fait c'est vrai, mais et la police l'a trouvé dans une situation difficile par rapport avec question politique là tout et nous souvent dit que la police a pas doué mélanger avec question politique là. Bien que nous connaissons ensemble des décisions, de gros décisions qui pour prendre, pour décaisser l'argent, pour foncer de bagaille, c'est des décisions politiques que y a. Y a toujours des décisions politiques. Mais la police nationale d'Haïti, lui-même, il y a un travail technique par là, et pour l'y faire. Ensuite, c'est que, les ou non situations, peut-être, bah, y a encore commencé. Ces mêmes gens, les ou gagnent un petit monde. Voisin ou bien voisinage, à porte-plainte pour lui, mais ça le fait. Ou pas jamais occupé au lieu que pour hurler les petits monde ou ramener la lode pour dire que le pagain doit faire ça et bien finalement pral rive un moment l'a tellement vinn dérailler dans mon l'a tellement rivé loin dans ça que l'affaire il pral très difficile pour qu'again temps corriger et bien c'est même ça tout qui passe au niveau de la police ça c'est que bandi ou gon paquet côté voit qu'on a levé pour te demander qu'il faut stopper question canard. Par exemple, et me songe que tu as pile voix que qu'on a pleuvé pour te demander dossier canaran, faut au moins et yo résoudre, faut au moins il y a des interventions qui fait pour te touiller et je par rapport avec ça que tu as fait. Mais c'est bien dommage que pas de gain que tu fait. Je dis à là nous vinn un paquet côté, nous vinn gagner et quoi des bouquets qui vinn livrer à lui-même qui donc zone pleine dans net livré à lui-même zone en bas la ville la livrer à lui-même. Bon nous connaît que ça va gagner 3 ans là depuis que Matisse ça monde pas capable passer avec facilité et puis pour vinn gagner là yon l'autre zone encore qui c'est Mariani bien que nous connaît tout la police ça la grand pile difficulté qu'elle a rencontré journée là mais quand même il a fait effort sauf que nous toujours dit la police là. Non seulement, je veux chaque grain de monde comprendre ça, c'est que la police nationale d'Haïti n'est pas créée
nan époque pour te faire face carrière avec ça gain la journée je dis nous te nous considérer ça qui passer là comme une guérilla urbaine. Donc c'est de temps en temps par rapport à ça qui passer la police est obligée vienne prendre forme réalité à Jean qu'elle est là la police elle te créer les pas gain blender conseil de gros âme la police a les pas gain yo mais qu'on a réalité à permettre que la police est obligée vienne bon série de matériel. C'est ça qui fait que nous, même au niveau Sinapoa, nous continuons à parler, nous continuons à demander pour doter la police là, de moyens. Par exemple, États-Unis dit la fait Haïti cadeau matériel pour près de 10 millions de dollars américains. Dans matériel, ça y est, on mettait un hélicoptère là-dedans pour la police, nous équiper, nous blender pour eux. On mettait un 10, 15, 20 drones professionnels qui sont capables de détecter et qui côté bandits et combien d'âmes qu'il a dans eux. Qui n'en met yo, on mette l'autre matériel encore qui ka permet que la police a fait pénétration dans série de zones. C'est ça n'a fait là au niveau Sinapoa. Nous vraiment souhaiter que pays qui Dieu ces pays amis qu'avait d'Haïti yo comprenne réalité que pays d'Haïti gen là aujourd'hui. Et un pigot matériel militaire et pour essayer tenter problème ça, mais si pas gagné d'abord volonté, ok, mais tout si rapport la police là avec population pendant niveau le tadoué pour joindre information avec tout matériel ça la police là pas capable résultat espéré. Est-ce que vous pensez la police là et par rapport à tout problème qui t'est gagné récemment rejoindre confiance population pour bail information qui pour permettre que la police là est efficace. Bon, nous pensons que rapport la police à population et li pa doué à aucun moment donné gâté parce que population c'est li ka permettre que ou gagne des informations par rapport à ces deux bagages passés. Semaine qui sort mois qui sort passé yo en pile fois yo critiquer comportement policier yo qui donc nous comprennent ça parce que dans presque tout pays sous la terre bénie qui gagne l'armée qui gagne la police qui donc on va toujours joindre des éléments nuisibles dans institution mais qu'on y a là nous même toujours demandé que inspection générale pour le faire travail par là parce que doit gagne de bons rapports entre la police et population. Oui, c'est vrai, la police a gen doit gen tout équipement ça que nous a demandé là, mais c'est pas gen rapport un bon rapport entre la police et population qui donc travail là li pa ka fait. Nous reconnaît tout dans institution, li mande on nettoyage, li mande on passé mais parce que bon équipe policier vrai nous constater qui nous connaît que gen des policiers qui en connivence avec gang. Nous connaît que gen des policiers cap transiter cartouche cap transiter et armes pour porter by bandit nous qui s'est passé dans zone Mirbalet avec un policier le 29 et mars qui s'est passé là récemment là dans Pétionville on attend des porte-parole la police là qui dit que gon policier que yo arrêté qui en connexion avec gang c'est juste pour montrer nous que la police a bon travail que le fait et donc ou ka estimer jodi a là ou même en temps que policiers ou a bataille contre bandits et puis tout gain des policiers ou même tout qui en connivence avec gang c'est pour nous juste dire que c'est pas une bataille qui facile c'est pas un travail qui aussi facile là gain propre agent en institution qui marie saucisse avec bandits qui donc yo compte tout plan que la police gagne parce que yo même y a travail ensemble avec yo donc a toujours gain matériel là c'est vrai mais nous pas capable bail résultat. Nous avons toujours des matériels là, c'est vrai, mais faut que nous retirer les graines qui en dans institution. Ou quand on la police qui gagne moyen et qu'on réclame yo mais on police tout qui moralement pas équipé, on police démotivé qui ça le cabaye comme résultat avec tout gros moyen armes ou réclame yo. Alors c'est ça nous sort dire là c'est que la police est capable toujours gain gros moyen que li gagne yo mais second la police qui démoralisé par exemple mentalement tout pigan non oublier que premier côté que pour résoudre problème là c'est pas la police moyen tout
la police a toujours besoin de moyens, mais tout, c'est agent, c'est garder l'état mental, comment que ce qu'il y a. Je dis à la, ou pas que, où sont le gouvernement, où sont l'État, ou pas qu'être policier, dans quoi des bouquets, dans Mariani, dans Carrefour, dans Tabac, dans Peigné, bandit météo de la caillou, policier a vivre en Basli, madame n'a vivre quand on fait un bec. Quand on s'en avec petite li, l'État n'a jamais fait pour accompagner les policiers. Et c'est même les policiers, si on est à bandit fait policier ça pour quitter Kayo, et bien c'est même les policiers, je dis à tout, ou pour demander pour la bataille pour mettre bandit de yon pour permettre que le monde retourne vivre la Kayo. Il faut que tu checkes sur les policiers, il faut que tu accompagnes. Parce que nous, au niveau Sénapoua, nous tellement recevoir doléances de policiers. Nous connaissons que y a des policiers qui étaient fait prêt après un mois, deux mois pour ta faire mes cahiers, pour mettre le dehors. Nous connaissons que y a des policiers qui étaient fait prêt pour peut-être mettre bloc dans le cahier pour te couper le béton après un mois, deux mois, pour mettre le dehors. Ou qu'on a senti que comment policier ça est. Les policiers connaissent que l'ivoire assurance, ils vont comme que l'État touche sur lui chaque mois. Et puis tout, et l'hôpital, malgré que l'on a assurance dans même, ils ont pas jamais dit qu'on s'accueille assurance ça, ils pas payé pour les pas qu'à joindre soin. Et donc, s'ils ne pas gagnent comme là, ils pas joindre soin. Et donc, beaucoup checker sur tout fonctionnement policier pour qu'on ait ce que tout bagarre. Je dis à tout, et Pierre Renel, même si que ou gagne un policier par exemple ou a payé 50 000 gouttes 250 000 gouttes pour ensemble de avantages sociaux depuis que policier a li pas joigne yo li pas bénéficier de yo 250 000 gouttes ça li pas utile en rien parce que pas gagne comme accompagnement voit que pour policier en Haïti moi-même c'est un agent 3 c'est 44 000 gouttes que moi a touché ou ka imaginer qui ça 44 000 goudes capable fait pour un policier qui agent 3 en dans pays d'Haïti côté que la vie a vinn piché presque chaque jour et ben dis-moi ou a toujours joindre des policiers qui pas respecter tête yo qui pas le fouiller corps non série de bagaille mais comme ça tout gagne des policiers qui accepter rester avec ça que yo gagne c'est pas sans raison ou actuellement là policiers a utilisé tout moyen pour quitter pays d'Haïti non seulement pour échapper avec question problème insécurité parce que yo estime que pas vraiment gagne qu'a fait pour République mais comme ça tout y a aller pour yo quitter et yo pas chercher on la vie meilleure parce que moi même parle avec plusieurs policiers qui est allé dans pour programme Biden dans un cap dit yo petit et mon cher et tantem da fan Haïti men mais combien même que me paye bill c'est vrai mais l'aime vinn rete sacré dans même nan moi me gen comme 2 mois la police capable payer en Haïti et donc ça c'est des bagages que n'a fait pour demander l'État assumer responsabilité. Merci Lionel Lazare, n'a rappelé où c'est porte-parole Sinapoa, principal syndicat à police nationale là et matin on fait encore au plaider en faveur moyen technique mais encadrement pour permettre que police là évolue dans environnement qui a fait les bail résultat donc police là population attend en pile de lit à chaque fois qu'on impère à chaque fois que la police t'a sorti dans route qui tracé pour lui qui s'est protégé à sécuriser population donc nous ouais réaction population vis-à-vis de police là qui c'est seule force publique nous qu'a dit qui est effectif et étant donné que nous on l'armée mais l'armée a li toujours nos stades embryonnaire l'armée a souli gagné de bataille pour que l'IPA joue rôle véritablement en pile fois on dit que c'est international là qui empêchait à ce que l'armée en lui-même li accompagner la police là pour capable jouer rôle de sécurité que deux institutions ça yo est appelé à réaliser donc pour permettre que la paix, la vie capable de reprendre dans le pays. Merci beaucoup Lionel Lazare d'avoir appelé ou ses porte-parole Sinapoa. Merci Pierre-Renel, merci Yves Lafortune, merci tout à Guy Wewe, Mapto Dougui, nous sommes auditeurs, nous sommes toujours tendus
et puis sous Vision 2000, Visa FM, mon cher, qu'on aime toujours tant d'eau. Et merci beaucoup, m'espérer que n'a toujours parlé. Merci. Haitian Coffee News, dorénavant, c'est avec une tasse café bien chaud, nous prenons l'informer. Haitian Coffee News, sous Giwewe Radio, pour tout ça qui a passé en Haïti, à tout côté qui vient haïtien sous la terre. Haitian Coffee News, éditorial, Yves La Fortune, toute nouvelle, tout côté, Pierre-Renel René, à tout causé sous immigration. Et puis, tac toc, tac tac. Tac-tac, avec Lydia Alexandre. Mais bonne nouvelle là. Chaque matin, sauti 8h pour arriver 10h, lundi pour arriver jeudi, Haitian Coffee News, sous Guy Wewe Radio. Sponsor, what you gonna do? Choublak, ou qu'on aime comme fleur, je veux dire à son restaurant. Choublak Restaurant, table île, dans 2768 University Drive, Sunrise, Fort Lauderdale. Quand Yves reste au restaurant, c'est qu'il est avec sa choute à Choublak. Mangez au. Mangez au bon, c'est coupé, douette. Quand tu manges à Choublak, tu es en Haïti sans te déplacer de la Floride. Commandez, Réléo, 954-53-30-49. Asiatique, grand blanc, grand black, tout le monde mange à Choublak. Merci parce que t'as tant de messages ça. Mais le film manger dans Choublak Restaurant, c'est au Cap Dim. Merci. Port-au-Prince et nous pral parler politique Yves avec tant nous est cap passé pour arriver à nomination conseil présidentiel là hier conseil ministériel t'est réuni pour yoté tabler sur projet et création et conseil là mais nous est et à cause de exigences qui continuent à faire et jusqu'à présent nous toujours pour arriver à nomination au conseil là. Et donc, situation, il y a compliqué de plus en plus. Donc, bon oui, on a le cherchons acteur. Il y a Jean-René Alexandre qui est avec nous ce jour maintenant, qui se représente un compromis qui est dans accord pour processus conseil présidentiel là. Jean-René Alexandre, bonjour, bienvenue sur Guy Wewe Radio à l'heure de Haitian Coffee News. Bonjour Yves La Tortue, La Fortune, excusez, bonjour Jean-René. Bonjour avec tout internet qui a suivi nous sur la plateforme ça. On salutation spéciale pour faire action nous et qui n'a diaspora, surtout communauté Fondé Blanc qui a fait Blood Boam, parce que qui a fait un travail extraordinaire
Donc, pour être qui j'étais capable de mettre mes mains dans le patron, capable de permettre que nous gagnions une autre commune. Et en même temps, tout, donc, deux frères actionnaires qui sont dans le diaspora, qui décident de bataille pour être capable de gagner une autre Haïti. Je pense que je dis, ah, c'est ça qui est nécessaire, c'est ça qui est important. Il faut que tout petit pays, quel que soit le côté, donc, il faut que nous mettions mes mains dans le patron, donc, dans quel que soit le domaine, quel que soit le secteur d'activité qui va évoluer, parce que nous avons besoin de tout le monde pour être capable de retirer Haïti dans sa liaison. Donc, c'est un plaisir pour nous matin, hein, pour nous capables commenter l'actualité politique là et parler et un peu de ça qui est à voir avec l'actualité. Merci. Actualité politique là, elle tournait autour de conseil présidentiel là qui t'es doué sauté à travers un arrêté et depuis semaine qui saute passé et jusqu'à présent nous ouais et situation corsée au niveau de conseil ministre là, donc nous-mêmes ou représentons structure qui fait partie de conseil là, c'est à qui sentiment n'a assisté tant qu'à passer et pas qu'à marquer sous place et au niveau de conseil des ministres là pour arriver à nomination conseil présidentiel là. Pour bien dire, Jean-Renel René, donc nous-mêmes en tant que regroupement politique compromis Red ID, donc nous avons fait même constat, même genre avec les populations haïtiennes. Et c'est que nous avons un gouvernement qui démissionnaire et un gouvernement qui passait plus que 30 mois au pouvoir, donc qui pas réglé rien en tant pays. Hein. Un gouvernement côté que qui pas prend aucune décision pour empêcher ça qu'a fait la journée jeudi à l'IFET. Il y a un gouvernement donc qui était existé sous base d'un accord politique parce que nous connaissons que une constitution pays noir donc pas aucun article ou bien comme une loi qui parlait de qui gens ou bien comment que capable gouverner pendant un gouvernement de une période de transition et qu'on est ça qui baille certaines légitimités avec un gouvernement de transition c'est ensemble de accords politiques ensemble des acteurs et ils ont ensemble de acteurs Yoshita ou Meditech ensemble pour placer une certaine légitimité avec monde qui va gagner pour capable diriger de transition ça et c'est ainsi que par rapport avec ensemble d'expérience que nous avons fait que ce soit avec et le CNG que ce soit avec l'ancien juge l'ex juge Erta Pascal Touyo que ce soit avec le président Boniface que ce soit avec le président privé etc arrivé ensemble avec Ariel Henry donc qui jouit de trois accord politique, que ce soit accord 21 décembre, que ce soit accord 11 septembre, c'est accord ça qui constitue des bases légales qui te permettent que Ariel Henry, donc lui-même, était capable de prendre l'ensemble de décisions qu'il était prenant en tête l'État et faire de l'ensemble de nominations. Gouvernement ça qui l'a aujourd'hui, parce que son gouvernement qui était prenant l'essence, qui était nommé sous base accord 11 septembre, non? Parce que nous connaissons que accord 21 décembre n'a pas de aucun changement qui était porté là-dedans. Or, aujourd'hui, donc nous gagnons et même équipe gouvernementale ça, même équipe ça qui était nommée sur un bazar accord politique et aujourd'hui là qui décide de faire tractation, qui décide de barrer la route avec un soi-disant accord que nous-mêmes les groupes politiques, les groupes de la société civile, nous chita, nous consentions ensemble d'efforts que vous connaissez que les gens s'allient assez difficile en Haïti pour gagner des groupes politiques des différentes tendances, nous chita, nous acceptons mettez de côté intérêts divergents, intérêts de clans qui capable empêcher que nous fassions suivre, qui capable prioriser l'intérêt du peuple haïtien, nous arrivons faire après deux jours de débat, de discussion, et je dis à que nous, ouais, que c'est anormal, il y a une équipe monde qui l'a qui passe plus de 30 ans, donc 30 mois, ultimement des affaires qui constituent peut-être un blocage pour empêcher que et nous avancer. Parce que je pense que Mounsayo, malgré que, je ne vais pas dire que Mounsayo sans cœur, parce que je dis, je pouvais, je te compte toujours, je pouvais, parce que c'est sous yeux, ensemble de tractations, ensemble d'assassinats et de kidnapping, etc., de quartier que même, ils considèrent comme des territoires peu perdus, c'est sous yeux, tout ça, ça a été fait, et pendant ce temps, pas aucune mesure pour être capable de permettre que la police, ensemble avec les forces armées d'Haïti, soit capable de traquer. Nèg exam sa qui a continué et si maï la troublée dans la population civile là donc je dis à ces mêmes moun sa qui camper en quoi qui pourra empêcher conseil là mais seulement celle ça que nous sommes capables de dire je pense que yo même yo c'est acteur politique yo là donc il y a fait ba yo donc je dis à pas gain moun qui capable dire que yo même yo en sécurité. Je dis à que d'essayer de monde qui t'a vivre dans les hauteurs de Pétionville, etc. Et tu penses que l'insécurité, que monde qui a vivre dans les quartiers défavorisés, que soit Matisse, que soit Cité Soleil, etc. Pas jamais capable de vivre en l'air.
mais je dis que nous vivons dans une situation côté que toutes zones considérées comme des zones Oui, c'est ça. Mais là, moi, nous miser en pile sous conseil présidentiel là, comme quoi structure ça capable de résoudre problème ça. Et c'est là encore et situation corsée au niveau de nomination conseil là, où dit que pas gagné de loi, pas gagné de référence légale sous comment on transition doit être faite. Mais là, on parlait de vacances présidentielles là, c'est on forme de transition liée, c'est-à-dire gain précédent et qui fait que nous t'adresse tourner dans la cour de cassation. Est-ce que c'est pas choix nous fait pour aller vers et conseil présidentiel là qui rend situation les beaucoup plus compliquée si nous t'allais directement vers la cour de cassation, peut-être nous t'es capable de résoudre le problème là déjà. Je pense que le problème, là, c'est l'allié. Et je pense qu'il y a deux accords politiques qui étaient faits après la mort du président Jovenel Moïse, que ce soit accord conséquent, que ce soit accord 21 décembre. Là. Donc, notez que qui gens que tout ensemble de mécanismes et procédures qui étaient mis en place pour accord conséquent, pour être capable de venir avec application accord conséquent, et tout un mécanisme qui étaient mis en place pour être capable de permettre que accord 21 décembre en fait. Et je dis, je pense que si c'est des acteurs politiques et groupes de la société civile, qui c'est des deux groupes assez représentatifs, des groupes qui toujours participent dans l'élection, des deux groupes qui étaient impliqués directement en prison, donc ils arrivent jeunes en tant que dit que c'est là que vous allez. Donc, je pense que question que ce soit CP ou bien que ce soit ou bien la Cour de cassation, je pense que c'est là qu'est le blocage là. Donc, un blocage là, son blocage politique et que le Conseil des ministres, donc, qui ont un paquet de ces deux mondes qui étaient toujours considérés et question CP en même temps, qui partent jamblés. Gagne un accord politique parce que faut que la population haïtienne dans les connaît ça équipe ça donc que ce soit de la Jamaïque rivé avec toutes différentes rencontres qui étaient faites avec CARICOM en Haïti dans l'hôtel Montana équipe ça était toujours considéré tête li comme yon moun qui pensait que yo même yo c'est puis pays assez pour yo même qui gagne solution avec les autres monsieur Jean-René Alexandre nous comprenons ça et dans qui bon maintenant que nous en branle vers le conseil et présidentiel et comme aussi on participe dans dans raid aidé et dans qui point nous y comme dernière question donc moi pense que je nous même tout ça n'est rien pour nous faire que ce soit accord là nous chita soit accord là que ce soit avec un décret qui régit et fonctionnement CPA CDC de documents que nous-mêmes nous faisons travail sur après des différents temps, jours et nuits de discussion de travail. Donc, nous finissons ensemble avec ça et que nous te transmettons avec le CARICOM, pour CARICOM est capable de transmettre avec le Conseil des ministres après signature. Donc, nous-mêmes nous faisons tout ça que nous supposons faire. Je pense que par là, je ne dis pas, il y a un pied et le Conseil des ministres et que nous-mêmes nous continuons à faire des débats, nous continuons à faire des discussions entre nous pour nous voir que qui je nous sommes capables d'avancer, que ce soit préparé. Et passation, parce que tu as supposé qu'il y a un rapport aujourd'hui à, entre les acteurs qui sont impliqués pour voir qui gens que nous sommes capables de sortir avec un comité qui va là, qui va travailler ensemble avec l'équipe pour le gouvernement démissionnaire pour qu'il nous soit capable de permettre qu'il y ait une passation de pouvoir qui fait entre deux groupes pour que le plus rapidement possible pour être capable et gagner ces deux mondes qui là, qui viennent qui peut être l'État pour être capable. Essayer et arranger ça qu'il a, améliorer ça qu'il a, parce que le bac à bas tête nous mentir que c'est dans 2-3-4 mois nous va résoudre ça qu'il a, parce que ça qu'il a, extrêmement difficile, il y a un pile, il y a compliqué, même penser qu'avec des volontés fermes qui existent beaucoup de ces acteurs politiques, nous penser que nous capables d'arranger, nous pouvons être capables de permettre que la vie reprenne en d'un pays, ça, et même temps, tout le monde est capable de permettre que gagne amélioration au niveau sécurité, et même temps, tout mettre pays à en prendre sous chemin élection, parce que, encore une fois, cette transition a assez duré. Donc, il faut gagner l'élection qui fait un pays pour pouvoir remettre pouvoir avec des hommes et des femmes qui légitiment que la population haïtienne est capable de choisir dans l'élection. Merci, Jean-René Alexandre, qui t'a parlé avec nous concernant formation ou nomination conseil présidentiel. Là, sous même sujet, ça, nous pourrons aller à Boston et nous pourrons aller rejoindre ancien journaliste Radio Vision 2000, Radio Ibo, Yandi, France Fidèle lui-même qui, contrairement à ça, Jean-René croit la donne, lui-même lui croit et transition, il n'y a pas toujours de résultat et s'il référait
à dernière transition nous passé. Donc Hans Fidel, bonjour. Actualité a été dominée par nomination, conseil présidentiel là depuis hier, conseil ministre là a réuni après une réunion hier qui n'a pas abouti, je dis à partir de 11h, il y aura le gain pour continuer avec la discussion qui a été entamée hier sous condition pour nommer membre conseil présidentiel là. Donc, parti qui représente yo impatient et attend à ce que gon décision qui prend le plus vite possible, parce que pour yo même, les situations qui gagnent là, carreaux qui gagnent là, et ont structure au niveau de l'exécutif là capable de permettre que situation les calmer, alors que avis yo pas partagé dans ce sens. Et c'est pour ça que nous prenons le rejoindre. Yandi. Franz Fidel nous dit que qui c'est journaliste et la vive jeudi à Boston, c'est avec lui nous allons parler concernant la situation ça. Andy, bonjour. Bonjour Vianel Winnie, bonjour Guillaume, bonjour Yves Lafortune. C'est un plaisir pour m'avec nous matin. Félicitations pour le travail là. Merci beaucoup. En pile attente de la part de monde qui est engagé, et je dis à pour jouer nos solutions à crise là par rapport à et formation conseil présidentiel ça qui pral continuer à transition nous la donne depuis la mort président Jovenel Moïse. Donc ou même ou poser question sous forme de transition nous toujours gagner et ou même ou pas gagner trop attente à ce que un conseil présidentiel pral bay résultat n'attend nan. Moi perplexe parce que nous c'est journalistes, parce que nous pas qu'un naïf. D'ailleurs, le doute légitime, c'est ça qui caractérise tout journaliste, li tadoué tout caractérise tout citoyen qui y ont même avisé. Eh bien, justement, pendant nous c'est observateurs qui curieux, nous nés dans ce sens ça, n'a continué pour nous observer, n'a continué pour nous capable garder qui ça cap fait dans politique pays d'Haïti. Acteurs qui impliqués dans crise yo, yo pas fait montre d'aucun intérêt, d'aucun sentiment patriotique pour
Haïti. Il n'a pas fait montre d'aucune velléité pour en sortir réelle et effective de pays, de cet enfer, enfer que lui-même a créé. En regardant qui qui n'a ça n'a parlé là, ça n'a pas traité, je dis, en conseil présidentiel qui dans l'impasse et monde qui très impliqué là-dedans, c'est monde qui enterré pays, à savoir le premier ministre Ariel Henry avec tout le monde qui entouré lui, Sorel Jacinthe, Edmond Supplice Bozil comme acteur politique, André Michel, Marjorie Michel, Jean-Tolbert Alexis, des vieux de la vieille, des monde qui ont responsabilité directe n'ont fait machine politique là fonctionner en Haïti depuis pratiquement cette transition qui dure autour de 37 années. 87 ans aujourd'hui, ça fait 37 années depuis Haïti, là qu'on est, les tumultes en pile bas. T'as de gain haut et bas, mais c'est surtout des bas et des coups bas qui baillent tout dans la politique là. Pour quel bilan? Son bilan, zéro. Et je dis à ces mêmes gens qui dit, ils ont décidé, il y a qu'un bé pouvoir. Parce que fond clair, c'est ça qu'a fait là. Au conseil des ministres, fait hier soir, c'est vrai, nous-mêmes, nous contre CPA, conseil présidentiel là, parce que nous croyons, dur comme fer, nous supposons aller vers la Cour de cassation. C'est ça que t'as plus simple, parce que c'est ça qu'on habitué à expérimenter déjà. Et moi, dit, dans le poste, moi, fait, dans l'analyse lecture que je baille sur Radio Planète Compa, dans Randolph, Massachusetts, moi, dit déjà, dans plusieurs émissions que je fais, l'éclair, si résultat nous gagne dans la fait transition, nous gagne à travers la Cour de cassation. Si seulement nous prenons deux références, Erta Pascal Trouillot, nous rappelons, non, essayer de tâtonner l'un, essayer avec Lessie François Maniga, en 1988, en gouvernance 4 mois, nous voyons qui ça le bail, c'est un conseil de gouvernement qui bail les coups d'État. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que nous arrivions, nous prenons essayer avec Erta Pascal Trouillot qui fait première élection démocratique en Haïti, et c'est là Jean-Bertrand Aristide a élu avec un mari humaine, justement pour nous être capables tout au moins de rentrer dans la légalité, dans la démocratie, à travers une élection que la population a vraiment exprimé. L'un sorti dans l'élection, ça y est. Eh bien, coup d'État après le Jean-Bertrand Aristide, pays après le plonger encore, nous tâtonner, un redémarrage qui fait en très mauvaise forme, mais il fait quand même. Nous voilà qu'on est en l'autre transition, pratiquement 20 ans après. C'était en 2004 avec Boniface Alexandre qui était président Cour de cassation. Encore une fois, Cour de cassation. Ensuite, nous voilà gagner un premier ministre importé, en l'occurrence Gérard Latortue, peuple haïtien, le gros Gérard, qui malgré tout a su tenir la barre ferme et dans dimension pâle, parce que monsieur l'été décidé contourner, grimacer, on dicton, nous connaît qui salvo, qui dit à l'impossible, nul n'est tenu. Monsieur était dit à l'impossible, nous sommes tenus parce qu'il était décidé de faire face à la guerre des gangs. Nous avons gagné résultat, nous avons gagné yo avec une transition qui était faite dans la Cour de cassation. Pendant l'existence, Haïti, pays à qu'on est, pas plus de 13 transitions dans sorte d'APC implémenté là, je dis à l'international, l'OEA, APC by non conseil présidentiel ou un conseil de gouvernement. Quel que soit Jean-Yoril est là, en tout cas, son conseil quand même ou une commission présidentielle, yon collège, qui pap ka bay résultat parce que acteur politique nous yon montré nous, à maintes reprises, yon pa ka entendre yon même sous minimum nan pour faire Haïti fonctionner, sous seul ça, deux Haïtiens, deux politiques Haïtiens, quoi yon capable entendre yon, c'est enterrer pays a, c'est déchets pays, c'est voler, gaspiller mes ressources l'État. C'est pourquoi nous sommes convaincus aujourd'hui, s'il y avait un choix à faire, c'est de nous diriger vers la Cour de cassation. Et comme nous, dans l'impossibilité, Haïti est sous tutelle, et fois ça, c'est une tutelle réglementée, concoctée par l'international à travers l'OEA, à travers la CARICOM, eh bien, nous n'avons pas de choix, nous n'avons pas résilié. C'est pour raison ça,
nous dit gouvernement qui l'a te doit comprendre c'est de et même, qui ça même nous devait faire Andy fidèle puisque dans situation y est là c'est la transition et n'a cherché formule qui ça qui doit faire là coulié à là parce que pays a bloqué voilà. C'est ça qui fait dans tournure m'apprend là moi répéter nous pas gagne l'autre choix pays a li nan men un groupe de monde qui bail li en direction nous pas quoi gang yo capable gagner priorité ça gang yo vle c'est faire échec à conseil présidentiel là et c'est pour raison ça me fait lecture ça moi quoi gang yo c'est bras armés on l'état voyou on l'état sanguinaire. C'est politique yo même qui doit décider. C'est ça que fait quoi population haïtienne non? Les forces vives de la nation, yo doit pressurer, yo doit justement mettre yo en faisceau pour capable mettre pression sur gouvernement qui là, son gouvernement qui pas jamais légitime, qui pas jamais légal, son gouvernement de facto qui en place qui justement depuis assassinat Jovenel Moïse pas faire l'autre bagaille que liquider les affaires courantes. C'est ça qui a passé là. Comment pour un gouvernement qu'on a décidé, c'est lui-même qui a fait la loi, lui était illégal, lui était monté illégalement, qu'on y a lui-même les deux, l'a cherché des points de droit, l'a cherché ça ne relève en droit des moyens. Les moyens, ce sont les attendus que. On monte à coup Yves Lasse pas fortune qui fait droit comprendre ça m'a dit. Même gouvernement ça a cherché attendu que yo pour accepter et voter. CPA, Conseil présidentiel de transition, c'est inacceptable. Merci. C'est au pays, c'est à la société civile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le apouri, mais n'a bien fait Yandi avant longtemps. C'est ça, nous gagnons l'autre monde, nous prenons le brin et sous zoom. Donc nous prenons le Canada. Au Brésil, Yves Lafortune, Pierre Renel, Guillaume, bon travail. D'accord. HM Coffee News, n'a fait l'aviron, fait viron tout côté qui gagne haïtien sous la terre. Haïti, Bruno Pierre, Daniel Darius et puis yon Dick Dal correspondant dans toute province. New York, Edens Deba, Jean-Baptiste Romaret, Jean-Claude Junior Vaval, Philadelphia, Jean-Venel Casseus, Philippe Moussignac, West Palm Beach, Maryse Balthazar, Orlando, Jean-Junior Lafortune, Derby du jour, Indiana, Marie-Ludie Montfort, Jacques Adler Jean-Baptiste, dit Gongon, Postpadichon, Boston, Jean-Samuel Trizil, Canada, Jean-Wesley Delva, Guillaume Amboise, France, Panel Lindor, Asian Coffee News, n'a fait l'aviron d'été, tout côté qui gagne haïtien sous la terre. Donc, un correspondant pour bonne nouvelle. Tout côté qui gagne haïtien sous la terre, Québec, côté nous gagnons forte communauté haïtienne. Nous prenons le rejoindre Guillaume Amboise. Québec a fait face à une crise logement et dans la situation, ça a une société habitation pour communauté noire qui est créée dans Montréal. C'est un immeuble de 231 unités de logement. Donc, à moitié dans logement, ça est accessible à Mounio et communauté noire. D'ailleurs, c'est pour projet ça, un projet qui coûtait 120 millions de dollars. Guillaume Amboise, c'est une très bonne nouvelle pour la communauté noire, la communauté Panou en particulier. Bonjour. Bonjour Pierre Hunel, bonjour Yves, bonjour Guy, c'est un plaisir encore une fois pour nous intervenir et pour nous boire à ce café. Et finalement, on n'a pas arrangé de jour en jour pour nous avoir une référence dans Montréal en termes de nouvelles pour nous porter et informations pour la communauté, n'importe qui côté. Oui, c'est une bonne nouvelle de la mesure où, si nous avons fait une mise en contexte rapide, et dans Québec et particulièrement dans Montréal, côté que y a une forte communauté haïtienne, toujours il y a une question de discrimination qui posait en matière de logement. Ce sont des informations qui est documentées et qui remontaient à longtemps, qui pas remontées de jeudi à côté que communauté noyau, mais noyau toujours en petite difficulté là les alloukai. Il y a une doit relier notre téléphone et on connaît nous-mêmes haïtiens souvent nous gagnons français et l'enrivé. Si les rives en face, yo c'est noir que nous y est, yo souvent dit non car la gantaloué ou refusé non. OK? On a continué avec mise en contexte. Je dis là avec demandeur d'asile qui vini en pile, nous connaître qui sorti tout côté, notamment en Haïti, et vini gon difficulté logement et dans Montréal.
capable dire dans Québec ou dans Canada en général. Si ça fait, n'a pas grand pile décision et qu'a prend grand pile initiative qu'a prend au niveau fédéral, voire au niveau gouvernement provincial yo, puis au cas garder qui gens yo cas résoudre problème ça. C'est dans logique ça tout côté que gon équipe haïtien qui sont dans communauté noire et notamment nous gagnons député d'origine haïtienne, c'est France Benjamin. Nous gagnons sénatrice tout qui c'est Marie-Françoise Mégui qui n'a ensemble qui n'a projet ça. Il y a même tout qui était victime tout de discrimination qui compte qui gens et question logement y est et puis ils ont décidé lancer projet ça. Et l'autre monde tout nous essayer cibler monde ça seulement lancer projet ça puis car qui gens qui a créé des logements abordables. OK, gens bien présenté dans chapeau. Et moun yo ka joine et à 50% à caractère social. C'est la logique ça que y a fait, mais c'est moi qui a dit qu'a résoudre deux problèmes ou du moins qu'a fait face à deux problèmes. Un, problème logement qui notamment clair pour y a là et puis question discrimination qui gens yo ka permettre avec communauté noire là voir communauté haïtienne joine et logement abordable. Et nous pas comprendre ça bien puisque côté que yo pral construire logement sa yo c'est dans coin Saint-Michel et boulevard Crémazie et pour moun ki konn Canada l'on prend Saint-Michel en tant que tel son zone qui fait partie d'une zone qui est défavorisée côté que gen pile moun qui pa gen trop grand revenu k'ap vive notamment frè nou yo haïtien mais velléité pour essayer poton solution et fait plus belle bagaille, il a développé zone ça et c'est dans logique ça tu as construit logement ça yo, je pense que c'est une très belle initiative. Oui, une très belle initiative qui a tenté résoudre problème là, mais par rapport à besoin qui gagnait en matière de logement puisque nous parlons de crise, est-ce que projet ça à lui-même suffit pour résoudre problème là? À mon avis, non. Non, il n'est pas capable. Du tout, puisque besoin, il est plus que ça. Et ceci, projet pas qu'on même lancé. C'est une initiative, là, il y a l'autre bagaille qui fait, côté que, au niveau fédéral, et il y a entendu sous financement fédéral là-bas, mais au niveau Québec, côté que la fête même, il y a des bagailles qui ne sont pas trop claires. OK? Encore moins, on a dit que seulement 231 unités de logement, il y a gain 4 chambres, 2 chambres, une chambre qui a réussi problème résoudre problème logement ça qu'on y a là. Pas quoi puisque Québec lui-même et les problèmes qui posaient de manière générale pendant longtemps pas bien assez de logements qui étaient construits. OK? Puisque pas assez de logements qui construit et puis affluence mon a venu de temps en temps vient créer une trop pression sur société notamment à Montréal. Non, à mon avis, ça pas qu'à résoudre. Il faut plus que ça. Il faut plus que ça, mais signal là bail avec investissement ça, un investissement est de 120 millions dollars et gagné en pile investisseurs haïtiens et d'origine canadienne qui dans projet ça. Merci beaucoup Guillaume Amboise, genou dans Canada et 3 fois par semaine nous gagné on flash sous Canada, sous ça qui a passé dans la communauté, nous, dans le pays, ça. Donc, nous sommes contents, Guillaume, avec nous pour sortir ça. Bonne journée, et Guillaume, et bon travail. Et merci un peu, et bonne journée à nous-mêmes, tout. Je pense que, et avec Guillaume Radio, et puis Tasca fait ça, et possibilité que nous offrions pour nous bailler information, pour nous mettre projecteur sur Montréal, et travailler la plus solide que jamais. Et merci un peu, et à la prochaine. Super, Guillaume. News, n'a fait l'aviron. Fait viron tout côté qui gagne haïtien sous la terre. Haïti, Bruno Pierre, Daniel Darius et puis yon Dick Dal correspondant dans toute province. New York, Edens Deba, Jean-Baptiste Romarin, Jean-Claude Junior Vaval. Philadelphia, Jean-Venel Casseus, Philippe Moussignac. West Palm Beach, Maryse Balthazar. Orlando, Jean-Junior Lafortune, Gerby Dujour. Indiana, Marie-Ludie Montfort, Jacques Adler Jean-Baptiste. Di Gongon, Postpadichon. Boston, Jean-Samuel Trizil. Canada, Jean-Wesley Delva, Guillaume Amboise. France, Panel Lindor. Asian Coffee News, n'a fait l'aviron. Fait l'aviron d'été. Tout côté qui gagne haïtien sous la terre. Nos correspondants pour bonnes nouvelles. Bonne nouvelle.
Choublak, ou qu'on aime comme fleur, je dis à son restaurant. Choublak Restaurant, table île, dans 2768 University Drive, Sunrise, Fort Lauderdale. Quand Yves reste au restaurant, c'est qu'il est avec sa choute à Choublak. Manger au bon, c'est coupé douette. Quand tu manges à Choublak, tu es en Haïti sans te déplacer de la Floride. Commandez, Réléo, 954-53-30-49. Asiatique, grand blanc, grand black, tout le monde mange à Choublak. Merci parce que t'as tant de besoins ça. Mais l'offre de manger dans Choublak Restaurant, c'est au Cap Dim. Merci. Pour un autre niveau. Ou même qui gagne taxe au vieux. Yo compagnie assurance. Yo agency. Ou bien qui n'importe l'autre business là. Ou t'as besoin d'un software qui pour rendre travail ou plus facile. Ou bien pour digitaliser business ou. Prends téléphone ou qu'on y a. Relé pour TaxLink. Yo parle créole, anglais et espagnol. Pour TaxLink fait partnership avec Tax Business yo. Pour faciliter travail yo. Yo buy software. Yo aide à prendre client yo qui j'en pour yo fait tax. Qui donc nan pour TaxLink, c'est leur joué un software pour qu'on baille plaisir à l'autre service toujours dans business ou. Yo offre un software immigration. Business funding avec crédit repair. Et si vous avez besoin de contact client, yo, photo cavo et invoice, ou bien ouais, combien qu'on va faire, ou juste utiliser pour TaxLink 360 ya, parce que yo gen plaisir. J'aime te dire là, yo gen software pour qui n'importe business là. Pour plus d'efforts, relève pour TaxLink non. 754-457-88-70. Encore 754-457-88-70. Pour TaxLink, c'est solution tout business. Digitaliser business. Digitaliser business. Haitian Coffee News. Dorénavant, c'est avec une tasse café bien chaud, nous prenons l'informé. Haitian Coffee News, sous Kiwewe Radio, pour tout ça qui a passé en Haïti, à tout côté qui vient ici sous la terre. Haitian Coffee News, éditorial, Yves Lafortune, toute nouvelle, tout côté, Pierre-Renel René, à toute causée sous immigration. Et puis, tac toc, tac tac. Tac avec Lydia Alexandre, tech tech tech. Chaque matin, sauti 8h pour arriver 10h, lundi pour arriver jeudi, Haitian Coffee News, sous Guy Wewe Radio. Sponsor, what you gonna do? Haitian Coffee News, nous allons parler avec professeur John Picard Biron, professeur université en Haïti pour une compréhension de crise ça, crise profonde ça à côté l'État effondré qui solution comment s'outil qui ça qui doit faire plusieurs propositions sous ta blague et on nous plus ou moins arrêté sous lit c'est
conseil présidentiel là, est-ce que ça suffit pour aider une sortie de crise? Nous y est là, professeur John Picard, Biron, Kwe et Yves, ça doit passer par présence en force étrangère. Oui, la crise haïtienne est profonde. L'État est au bord de l'effondrement et sa survie éventuelle ne saurait être nullement envisagée sans l'appui des forces étrangères. Voilà ce que dit le docteur John Picard Biron. Est-ce qu'il est là, Picard? Docteur Biron. Docteur Biron, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour, docteur. Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Et voilà, sur tous les réseaux sociaux, c'est Imanjou, après Ndaradi, séminaire de formation et de vulgarisation de savoir et que nous-mêmes dans la DIREP nous fait. Et puis en boucle, et la crise haïtienne est profonde, l'État est au bord de l'effondrement. Qui soit qu'a dit nous, docteur Biron, enfin en résumé par rapport avec sa travail roumblé que t'es fait, que la DIREP t'es fait semaine passée. Bon, c'était un webinaire que nous avons fait côté gagner différents membres laboratoire et puis un collègue qui est dans l'université en tout, qui n'est pas directement dans le laboratoire. Donc, c'était un panel que nous avons voulu qui est le plus divers possible. Côté nous avons réfléchi sur la situation du pays. Hein. Et situation ça qui c'est vraiment en situation vraiment vraiment difficile et que il était important pour nous regarder et comment évolution situation pays depuis quelques temps situation qui menait nous là parce que en réalité on pensait que débat qui habitué fait chose c'est des débats qui restaient seulement non approche superficielle de situation hein. Et il était important pour aller plus loin dans réflexion yo. Et moi-même particulièrement m'appuyer sur réflexion et recherche et en monde que Sauvé Père Étienne fait déjà quoi Sauvé Père Étienne qui publiait un livre sur qui relait l'énigme haïtienne échec de l'État moderne en Haïti. Côté, monsieur fait une analyse dans chapitre 5, livre ça, un chapitre 5 que je considère et je pense qu'il est important pour un pile monde à lire chapitre ça, quoi, parce que c'est un texte que je pense qu'il est important. Côté, monsieur a analysé la situation qui était menée nous dans l'occupation américaine. Et là, nous gardons et nous avons comparé. Et contexte et occupation américaine que Sauvé Père Étienne analysé, nous, ouais, et réflexion que l'y fait, c'est nous à peu près dans une situation pareille et même pire, quoi. Et nous avons dit, parce que effectivement, nous avons dit, la veille occupation américaine, nous avons une situation côté l'État et une situation d'effondrement de l'État, effectivement, et que nous-mêmes, je dis, c'est à peu près pareil en situation de et situation plus terrible parce que à l'époque où t'as dit et t'es gagné ça existait comme opposition à période d'occupation où t'as dit c'est Rosalvo Bobo quoi mais je dis, c'est comme quoi et nous non situation vraiment terrible côté pas une alternative. Et de monde qui a profité de l'alternative, c'est monde qui besoin concrètement entretenir le chaos. Hein, quoi. Et puis, il y a vraiment grosse difficulté pour jouer au consensus politique. Quoi. Et finalement, consensus politique, ça qu'arrivé jeune, mais et de toute façon, consensus politique, ça, par rapport avec la situation de l'État, consensus politique, ça, pas qu'à. À appuyer seulement sur force interne parce que réalité qui gagne c'est que en réalité nous vivons une situation de crise pays en dernier temps c'est comme si nous avons une dispersion énorme de forces politiques quoi de monde qui est capable de réponse quoi et même les grands consensus ça pas un consensus autour de forces politiques parce que c'est quasiment un consensus nous d'accord qui fait autour de tout secteur politique faible.
dans le pays. Et la réalité, ça. Et c'est une difficulté qui mène nous dans la conjoncture. Ça. Parce que nous, dans la conjoncture, côté pagain, pas gain pièce secteur politique qui cap bailler le ton qui cap dit voilà côté nous voulons aller qui rivé gagner qui rivé font coalition et puis qui mener monde elle et puis quasiment on ta cap dit classe populaire tout et complètement dans expectative et par rapport avec situation qui gagne il complètement mettre hors jeu quoi alors force politique qui créer situation concrètement yo j'ai géré conjoncture sociopolitique là pour te mettre classe populaire complètement au jeu quoi et donc pas capable de gagner aucune réponse qui sorti dans la classe populaire et voilà dans quelle situation nous retrouvons là je veux dire et ces situations ça et docteur Biron ces situations ça où dit côté l'État au bord de l'effondrement et pour tout le monde qui a observé l'État pratiquement pas existé, l'État tombé, donc si le bord de l'effondrement, nous pourquoi on a effondrement? On ne peut pas dire l'État a tombé pratiquement parce que gagnant de bagages qui résistaient. Qui et même dans l'attaque fait sous bâtiment public, il y a de l'assaut qui fait sous bâtiment public, et gagnant. Bon réponse qui baille, la police au moins présente. Bon réponse qui baille. Donc ça veut dire quelque part, moi-même, je dis c'est une situation côté effondrement nous tient qu'à un fil quoi c'est pas rien qui tombe et d'accadé au minimum de présence étatique ou bien de force publique quoi et ça c'est en réalité et c'est en situation bien réelle quoi donc que nous retrouvons là-dedans quoi donc on compare situation on a vécu là je dis à 1915 et avant et intervention américaine et nous ouais américains ont après intervenu et au moment côté situation dégénérée et moun yo rentré dans pénitencier national yo assassiné prisonnier politique yo marché sous légation de la France yo prend président qui était là est-ce que vous pensez que fon rivé par là avant gagné on bail qui fait étant donné qu'on parlait de force étrangère qui c'est en solution à un problème ça là moi-même pas parler de force étrangère comme solution à un problème là moi-même penser gagné des secteurs politiques qui rivé je nous entente et puis qui prend des dispositions pour résoudre situation de crise mais en même temps force et sociale ça qui arrive à prendre mesure président et qui peut plus ou moins arriver à dégager un consensus politique pour faire face avec la situation, hein? Que force politique ça a de prendre toute mesure crise nous en face de l'IA et toute mesure crise qui est en face de l'IA pour être capable de porter une réponse qui est concrète et réponse qui est concrète ça pour porter elle, il n'y a pas capable de porter sans appui force étrangère. Voilà, et pas dire force étrangère sont une solution. Inévitable, quoi. Mais en même temps, il faut prendre toute la mesure de situation que nous avons dans l'an. Voilà, c'est situation ça. Mais en même temps, alors, réflexionnons, il n'y a pas traité sur ça, parce que ça que nous constatons, hein, c'est que force étrangère ou pas, ça presque pas dépend de nous, quoi. Et parce que, on regarde que nous gagnons de puissance et dans le pays, hein, et probablement, et gagner de puissance étrangère qui dit très clairement et dans l'hémisphère américain là nous pas capable de retrouver nos situations côté gon deuxième Somalie gon Somalie dans mi-temps et Caraïbes là et gain de l'autre secteur moi penser et de toute façon c'est pas nous mêmes qui a demandé ou non quoi et si force sociale pas prendre toute mesure que situation gagne là-dedans mais c'est de toute façon il y a des puissances qui a pris disposition sous ça par rapport avec ça et ça presque pas dépend de nous mais moi-même ça nous voulait ça nous pour invitation à réflexion par rapport à la situation hein. Soit une invitation à réflexion pour nous garder par delà et conjoncture spécifique là qui capable d'un aboutissement en dehors même des acteurs qui impliqués là-dedans là. Faut nous regarder comment qui ça qui mène nous là et non cas que gain de monde qui prend toutes mesures ça passé hein, et que gain des dispositions qui prend et que nation haïtienne arrive survivre à situation à vivre aujourd'hui hein,
faut que deux monde capable réfléchir sur comment pour ne pas retourner dans situation ça parce que gagne tout on travail qui fait pour mener nous là et dans la classe politique et faut qu'on ait et il commencer par une situation côté gagne de conditions socio-économiques. L'internet fait des caprices. Il y a un pays que force politique, pas jamais, ils ont utilisé pour capable de plus accès à pouvoir. Voilà. Donc au lieu par exemple parce que non intervention, nous n'avons pas mis chita sous lui, mais t'es chita sous question comment nous depuis non année 2000 année 2010 on vient gagner une explosion de vidéo dans le pays, un accroissement irrégulier démesuré de vidéo dans le pays qui vient faire que vidéo vient gagner importance, ça vient créer une condition côté m'd'akadio une situation explosive en dans vidéo tout quoi qui fait que gagner de situations qui viennent développer comme ça et nos situations côté m'd'akadio et l'économie rurale a complètement effondré tout quoi et donc situation ça fait que gagne un exode rural qui fait que Port-au-Prince vient tout nos villes et complètement cap développer de façon complètement démesurée quoi et gagne d'accord dit gagne de responsables politiques qui pas jamais prend mesure de bagarre ça pour t'adresser comme problème et nan moment yo au lieu bien au contraire de monde qui pour prendre question ça comme problème il y a des politiques qui pral utiliser le même pour être capable de rester sous pouvoir donc nous pral ouais que comment deux l'internet fait encore des caprices mais docteur Biron est-ce que dans cadre de réflexion que n'a porté yo parce que faut une dimension managériale pour que nous-mêmes qui capables pour nous-mêmes qui gagne lumière pour nous-mêmes qui dans la pensée complexe nous capables justement entrer dans l'appareil de l'état tout parce que quand gagne un déficit de savoir quelque part ça pose problème dans niveau politique yo. Est-ce que docteur Biron toujours là non voilà 9h45 merci docteur Biron l'internet fait des caprices merci parce que tu es métro disponible nous voulons dire que chaîne Coffee News avec toute Guy Radio a ouvert pour la direct pour n'importe webinaire l'a fait pour n'importe séminaire l'a fait donc c'est un plaisir pour nous te gagner au matin PNL qui ça qui dans café ça qui était dans café c'est que nous pral regarder en activité qui très prisée dans communauté nous en bon ici c'est activité choc là côté en pile moun ouais dans secteur ça on opportunité pour faire l'argent plus facile donc il pas mandé en pile il mandé une volonté il mandé une force de travail et nous gain Placide qui était doué était venu à rôle Placide monsieur c'est on animateur de radio qui continue à permettre un programme depuis côté lié et qui a bail information sur ça qui a passé dans Vallée la Tibonite là avec présence gang yo qui continue à terroriser population mais matin dans intervention li il était voulu parler avec nous deux activité ça qui attiré un pile monde qui a venu bon ici ces derniers jours donc malheureusement caprice technique là fait que nous pas arrivé capable de parler avec Placide bon mais n'a tourner pour continuer séparer café là en fait m'te voulais signer possibilité si technique là gagne un pasteur Abel qui vaut un message en l'an de grâce 2024 message à l'attention de l'humanité, nous, peuple haïtien, déclarons solennellement devant la face du monde entier que nous résisterons encore aux assauts des maîtres du monde contre notre existence de peuple. Si Dieu, dans sa préscience, avait choisi de faire de nous le porte-étendard de la dignité de tous les êtres humains, s'il avait choisi souverainement de nous utiliser pour étendre et substantialiser la liberté que les maîtres du monde voulaient circonscrire de peur qu'elle n'atteigne d'autres foyers humains qui ne leur ressemblent pas. Si donc, par cette égale liberté et dignité de tous et de tous les humains, nous avons incarné aux yeux du monde raciste, esclavagiste, colonialiste et ségrégationniste, nous devons aujourd'hui payer jusqu'aux dernières gouttes de nos sangs, alors qu'il en soit ainsi. Mais que le monde sache que nous recommencerons
renonceront jamais à qui nous sommes par la volonté souveraine du créateur de l'univers. Entendez bien, ô maître du monde, cupide et méprisant. Vous avez beau utiliser vos propres frères pour nous liquider comme des animaux de notre temps. Vous avez beau fournir armes et munitions et d'équipements, plans de transactions à vos hommes de main pour anéantir notre vie. Vous avez beau utiliser nos propres politiques pour mener à bien votre sale besogne. Sachez bien, ô maître du monde, suppôt de Satan, vous ne pourrez jamais nous détourner de notre destinée de grand peuple, parce que parmi les plus conscientes historiques, nous vivons chez vous, nous prendrons possession de vos territoires et dans la foulée, ferons connaître à nos enfants, à nos petits-enfants, comment Dieu nous a donné de porter une croix pour l'humanité. Comment nous l'avons portée dignement dès nos premières traversées de l'Atlantique, dans la cale de vos bateaux. Comment nous la portons aujourd'hui, jusqu'à encore aujourd'hui, 220 ans après avoir débusqué votre liberté atteinte à demi-teinte. Tuez-nous, matraquez-nous, déplacez-nous, affamez-nous, mais sachez, ô maître du monde, fontaine de malheur, que vous ne pourrez jamais sous-traiter la dignité qui coule à flot du Créateur en nous, son peuple haïtien. Vive Haïti, vive la liberté, vive l'égale dignité des humains. Gloire à Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Voilà son message de pasteur Abel Pierre. Haitian Coffee News, dorénavant, c'est avec un tasse café bien chaud, nous prenons l'informer. Haitian Coffee News, sous Kiwewe Radio, pour tout ça qui a passé en Haïti, à tout côté qui est haïtien sous la terre. Qui tout là depuis longtemps, qui nous vini ça fait quelque temps, qui nous vini sous Biden, nous toutes soyons celles, on fait une belle communauté. Doing Community, c'est une idée de Jeff Lozama que Haitian Coffee News a porté pour nous chaque jour depuis lundi pour arriver jeudi. Haitian Coffee News, sous Kiwewe Radio. Let's do a great community. Que nous venions dans le bateau, que nous venions dans Biden, que nous venions par l'autre moyen, nous, qu'on est où, nous toutes ces Haïtiens, et nous fait en seule communauté, qui c'est communauté haïtienne. Ça qui a passé dans la communauté a intéressé nous pour nous être capables, ouais, qui genre communauté a évolué. Maintenant, nous pourrions regarder un aspect qui est pour avec Chalk. Chalk qui c'est. Ils ont activité très prisée dans la communauté noire. Ils ont pile l'idée autour de lui. Nous gagnons un rôle Placide, de Don Placide, qui après le partager expérience avec nous. Don, bonjour et bienvenue dans le café avec nous, matin. Ah, bonjour Guy Wewe, bonjour Pierre-Léonel et la fortune, tout le monde qui branche Choua et matin. C'est un plaisir pour moi dans Guy Wewe Radio pour nous parler un petit peu de domaine sacré en pile haïtien et à travers la donne. Et qui ça domaine ça et son domaine il est toujours pour orienter moun vers lui-même et leur fait vini et semblait son domaine qui attirait la gente féminine donc le fait que yo gen mari yo dans domaine ça pour qui ça et domaine ça aussi attirer moun comme ça. Bon, premier bagage qui fait un pile mon attiré par domaine ça, sont question de l'argent. Nous on est aux États-Unis, fun pay bill là chaque mois et il est facile que mon yo capable de faire un petit l'argent qui est plus ou moins raisonnable et ça fait un pile mon intérêt dans domaine ça, un pile jeune garçon, jeune fille choisir elle prend licencio pour conduire, même le fait mon yo comprendre que faut mon yo pas être choc là même jeune qui ouais conduit camion en Haïti puisque c'est différent et ou c'est un professionnel ou vivre de ça ou payer caillou ou acheter machine ou te que famille convenablement donc son job qui demande tout pas seulement ouais l'argent tout faut safety parce que prend la rue avec un choc capable peut-être avenir capable gâcher tout parce que des accidents arrivent fait dans la rue là et ou pas vraiment à l'école pour ça parce que faut le prendre classe pour ça faut que l'état teste ou pour que yo wè ko son moun ou gen habilité pour conduire un choc les pas seulement faire l'argent tout parce que en pile nèg a laissé conduire choc jeune fille jeune garçon en pile arrivé perdu licencio assez rapide et puis et en pile arrivé perdu licencio assez rapide en pile tout
arrivé fait accident. Donc son job qui intéressant pile monde, même comprendre que avant entrer faut avoir un monde qui parle avant Pierre Onel pour bon on sait l'explication. C'est vrai qu'il y a l'argent, mais pendant qu'il y a l'argent, il y a danger, tout, il y a prison là dans. L'lycée ont activité tout quand même qui gagne répercussions sur famille parce que nous apprenons à cause de temps et on obligé passer de yo et dans cadre de travail ça ça va être problème et bon c'est peut-être en réalité dans pays Amérique du Nord mais pour choc là en particulier ça gagne répercussions sur harmonie familiale là. Bon, effectivement, son bel dossier. Je pense que avant de prendre décision, ça faut parler avec madame ou pour quelle raison à faire. Parce que pas oublier, étant que père de famille responsable, il faut que je joue le rôle là. Mais des fois, la vie, il y a les mêmes gens. On est qui quitte Haïti, qui vient aux États-Unis, qui quitte madame li, petite li. Mais il n'est pas facile. Mais on fait quand même. Il y en a qui fait 5 ans, 10 ans d'ailleurs. Mais au moins, tu as la meilleure. Parce que au moins, chaque 3-4 semaines, il y a des possibilités pour entrer la caille ou pour les familles faire 2-3 jours avec eux. Et pour faire son objectif tout. Quand on fait, peut-être, ou bon but, ou voulez réaliser son bagage, ou besoin acheter ton caille, ou besoin plus ou moins acheter ton machine, ou besoin mettre petit tout au niveau pour aller au collège, ou faire pour une raison. C'est vrai, et les mandats ne peuvent pas l'empile avec la madame, avec les enfants, et puis donc objectif, et puis ça va réaliser. Bon, c'est pas impossible, en tout cas. Oui, donc pour moun kap arrivé à Penyo qui est indécis et kap cherche son secteur pour yo orienter yo, donc ou même au conseiller yo passer par voie ça, puisque c'est là dedans où y est. Bon, moi, je n'ai plus de chapeau. Pas oublié, je suis animateur de radio. Moi, je fais choc là tout. Mais il y a un moyen pour arriver aux États-Unis. Il y a plusieurs moyens pour aux États-Unis. Mais il y a un premier moyen, je pense, qui est important. On licence, c'est important. Il y a un pile monde tout qui bon ici qui a fait Uber, qui a fait Lyft, qui utilise licence, qui a pu faire l'argent. Mais si je arrive dans un niveau qui est plus haut, c'est pas trop mal, mais je me dis, il demande un peu de discipline, comportement, tout, parce que quand il y a des bagarres, il y a des chauffeurs, des gens qui ont utilisé un highway, il demande un peu de maîtrise de soi. Mais si on est intéressé, je ne vais pas décourager, et il demande un peu de principe. Je me dis, tout à l'heure encore, entre dans un domaine que pas connaît, pas seulement où est l'argent, Pierre Onel, je pense que l'important pour qu'on apprendre de l'expérience de l'autre monde, poser question, apprendre le métier pour qu'on va faire le bien parce qu'il y a un peu de danger là-dedans. Oui, mais contrairement à l'idée reçue, tant que Jean va présenter nous là, et après nous, comparativement à avant, et l'argent, le monde qui fait notre choc là, il n'y a pas qu'à faire encore. Ça, qui explique ça? Nous, on est pays à une crise économique qui a frappé, surtout sous gouvernement Biden là. Économie en baissé, mais ça pourra pas faire l'argent quand même. On a quitté, on a approuvé, on a quitté gain chocli personnellement, et revenu à diminuer. Mais on est qui se capte conduit pour compagnie, on n'est toujours capable de faire qui choye. C'est vrai, bah, c'est difficile, joindre l'audio pas facile, et États-Unis importé en pile, malheureusement, et puis gros port États-Unis, d'un coup, Jacksonville ou bien California, il n'y a pas vraiment entré en pile marchandises pour que marchandises circulent aux États-Unis. C'est presque ça, États-Unis produit en d'un pays à cap circuler, qui fait que une réduction, qui fait que le marché a diminué. Okay? Mm-hmm. En termes de discipline, on parle de femmes, garçons, ça n'a pas fait différence. Je connais femmes, c'est bon, de bons gestionnaires. Donc, je pense que pour son bon gestionnaire, il faut qu'on ait une discipline. Et en pile femmes, tout dans le domaine. Non? Oui, bien sûr, il y a des filles qui choisissent faire avec Mario et Maria a commencé avant, puis Maria a montré aux possibilités de gagner si on fait un team, font équipe, et puis fille a pris licence li, et Maria a le training, ils conduit ensemble et puis arrivé à faire succès ensemble. Mais peut-être ou pas dit ça, et pour moun qui a fait choc là pendant longtemps, qui a conduit sur plusieurs kilomètres et gagne de effets secondaires et douleurs et le monde qui travaille pendant longtemps dans le secteur, ça, il y a plein de ça. Ah, bien sûr, bon. Douleur dans le secteur. Pas bien ça en fait pour avoir un petit problème, mais le monde dit il faut qu'on fasse sport, comment on mange, qui j'en de manger, on mange tout. Il y a des gens qui viennent fat, il y a des gens qui viennent pipiti, qui perdent santé. Donc, il y a un paquet de bagages à la donne, mais il demande que son pratique liée, il demande que le matin au lever, il faut faire exercice avant de le conduire, et soit conduit tout, dans mi-temps, par exemple, il y a 11 heures pour conduire par jour, si on conduit pour 4 temps, on peut camper ou prendre 10-15 minutes ou détirer jambon, ou utiliser restrooms. Après ça, on retourne encore. Il demande en pratique,
et pour capable rester en santé pour conduire véhicule ça qui est très lourd et très dangereux mais qui bail en plus de possibilités. Merci Don Placide, nous t'es content gagnant avec nous. Merci parce que tu es nous disponible pour partager avec nous expériences dans un secteur qui est très prisé. Il y a des idées reçues sur le secteur ça. Donc, vous aidez Persil et comme ça, mon cap bien pour choisir à choisir en connaissance de cause. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à toi également. Bonne journée à toute l'équipe. À la prochaine. Qui tout là depuis longtemps? Kit nous vini, ça fait quelque temps. Kit nous vini sous Biden, nous toutes seyons sel. On fait yon belle communauté. Doing Community, c'est yon l'idée de Jeff Lozama, que Haitian Coffee News a poté pour nous chaque jour, depuis lundi pour arriver jeudi. Haitian Coffee News, sous Kiwewe Radio. Let's do a great community. Oui, une belle communauté, Yves, c'est dans la diversité communautaire à travers ça qu'on fait, ça qu'a fait, ça n'a fait, et ça n'a fait avec fierté, et qui permettent que nous gagnions la vie, nous, et kembe dans un monde qui vient difficile de plus en plus avec inflation. Hein. Donc, nous t'es gardé aspect ça dans la vie communautaire. Peut-être ton l'autre fois, n'a pas parlé à un médecin, n'a pas parlé avec en policier, parce que nous connaissons un pile haïtien d'origine qui fait partie de la police Miami en particulier. Nous rejoignons haïtien dans tout domaine, tant que je dis, nous rejoignons haïtien dans les médias. Guy Wewe, son exemple. Bon, en fait, c'est l'exemple le plus percutant, sortir de la Radio Vision 2000 et aujourd'hui avec environ 1 million de followers. C'est appréciable. Inviter tout le monde pour joindre à nous pour nous continuer progresser parce que nous-mêmes nous voulons produire un journal qui sont journal qui est spécial qui est capable d'avoir information qui pas dans oui qui est capable d'une dimension Haïti dans toute dimension journal qui a concurrencé avec CNN News qui a concurrencé avec CBS Headline News Fox commence à passer bon côté nous là et Guy Gaetan la donne donc n'a pas aller plus loin. Je demande à tout le monde pour écrire nous la semaine prochaine. Nous avons adresse et chaîne Coffee News pour capable écrire nous et faire nos suggestions. Merci parce que vous suivez parce que nous voulons faire un bagage qui est différent. Et de fait, nous connaissons nous offrir un bagage qui est différent. Merci pour tout le support. C'est un plaisir pour nous boire un café ça avec au matin. Pour nous servir un café ça, c'était moi-même, Yves Lafortune. L'aime écrit, monsieur Yves Laf. Malé. Le journal de la diaspora, rendez-vous au sommet. Nous sommes contents avec vous pour nous passer, tite ça ensemble, pour nous informer. Merci à tout le monde qui est intervenu. Merci parce que vous avez fait partie du monde qui boit café avec nous. On l'autre café. C'est demain. Passons une bonne journée. Haitian Coffee News, dorénavant, c'est avec une tasse café bien chaud, nous allons informer. Haitian Coffee News, sous Kiwewe Radio, pour tout ça qui a passé en Haïti, à tout côté qui vient ici sous la terre. Haitian Coffee News, éditorial, Yves Lafortune, toute nouvelle, tout côté, Pierre-Renel René, à toute causée sous immigration. Et puis, tac-toc, tac-tac, tac-o-tac, avec Lydia Alexandre, tec-tec-tec. Chaque matin, sauti 8h pour arriver 10h, lundi pour arriver jeudi, Haitian Coffee News, sous Kiwewe Radio. Sponsor, what you gonna do? Mais bonne nouvelle là, pour TaxLink pour un autre niveau. Ou même qui gagne tax office, yo compagnie assurance, yo agency, ou bien qui n'importe l'autre business là. Ou t'as besoin d'un software qui pour rendre travail ou plus facile, ou bien pour digitaliser business ou, prends téléphone ou qu'on y a, relais pour TaxLink. Yo parle créole, anglais et espagnol. Pour TaxLink fait partnership avec Tax Business yo, pour faciliter travail yo. Yo buy software, yo aider à prendre client yo qui j'en pour yo faire tax. Qui donc, dans pour TaxLink, c'est là où vous jouez un software pour qu'à bay plaisir à l'autre service toujours dans business ou. Yo offre un dans son frère immigration business funding avec crédit repair et si vous avez besoin de contact client yo pour ton cas vous envoie ou bien ouais combien qu'on va faire ou juste utiliser pour tax link 360 ya, parce que yo gen plaisir j'aime te dire là yo gen software pour qui n'importe business là pour plus info relais pour tax links non 754-457-88-70 encore 754-457-88-70 pour tax link c'est solution tout business digitaliser business
Chou Black, ou qu'on aime comme fleur, je dis à son restaurant. Chou Black Restaurant, ta Blil, dans 2768 University Drive, Sunrise, Fort Lauderdale. Quand il reste au restaurant, c'est qu'il est avec sa choute à Chou Black. Mangez au... Mangez au bon, c'est coupé douette. Quand tu manges à Chou Black, tu es en Haïti sans te déplacer de la Floride. Commandez, relayez au 954-53-30-49. Asiatique, grand blanc, grand black, tout le monde mange à Chou Black. Merci parce que t'as tant de messages. Mais l'offre de manger dans Chou Black Restaurant, c'est au Cap Dim. Merci. Number one.